président d'un groupe appelé groupe missionnaire JSS, qui signifie Jeunesse spéciale pour le salut. C'est un groupe missionnaire, mais qui a beaucoup de visions et nous faisons beaucoup d'entreprises dans ce groupe pour sauver les jeunes dans notre province de la ville de Bukavu. Premièrement, nous avons des projets évangéliques et nous faisons ça pour évangéliser les gens et l'œuvre missionnaire. Et deuxièmement, nous faisons aussi des choses qui peuvent nous aider dans la vie quotidienne et physique. Et dans ces choses-là, nous avons mis 4 projets que nous faisons. J'avais dit que nous faisons d'abord le premier projet, c'est le projet évangélique. Deuxièmement, nous faisons aussi le projet de l'agriculture, ce que nous cultivons. Ici, on habite en ville, comme à Kabare, nous cultivons, là, nous amenons nos produits ici en ville. Deux, nous faisons aussi l'élevage. Nous avons le projet des poules, nous gardons des petits poussets, et puis ça grandit, nous les vendons. Dans l'élevage, aussi, nous avons d'autres projets que nous appelons les projets de microcrédit et finances. C'est pour entraider les jeunes. Parmi notre groupe JSS, il y a des gens qui ont des moyens, mais il y a les autres qui ont des idées, mais qui n'ont rien. Nous les aidons, apprenant quelqu'un qui a 50 dollars, soit 20 dollars, nous apprêtons à celui qui n'a rien. Alors, nous les donnons la fiche sur laquelle il sera en train de payer chaque fin du mois. Il rembourse cet argent avec des intérêts. Et après avoir remboursé cet argent, il restera avec quelque chose avec lequel il va commencer ses activités. Et nous avons aussi un autre projet de sous-logement. Nous prenons des jeunes pour demander ici en ville les gens qui ont des maisons à location. Puis ces gens-là partent voir les chefs de location. Je pense, je dis bien. C'est là qui ont des maisons et c'est là qui ont besoin de loger. On discute les prix avec notre bureau JSS. Après avoir discuté les prix avec nous, nous aussi nous partons pour discuter avec le bailleur. Alors l'intérêt, ça sera pour nous dans notre bureau et le reste, on donne au bailleur. Parce que si le bailleur demande par exemple 50 dollars, nous partons, nous voyons le bailleur comme le commissionnaire. Puis le bailleur nous dit le prix c'est 50 dollars, nous demandons 70 ou 60 dollars. Ces 10 dollars là vont nous aider dans notre activité. Et notre activité, nous prenons les gens qui portent des bagages, donc ceux-là qui portent des bagages, même ici en douane, ceux-là qui portent des bagages pour l'argent, nous faisons une petite entreprise pour eux et nous discutons les prix avec quelques associations, quelques sociétés ici. Au lieu de les payer par jour, au lieu de les payer par tour, on paye chez nous. Et alors, soit à fin de semaine ou à fin de mois, nous les donnons cet argent. C'est comme ça que nous faisons nos activités. Et nous voyons l'évolution. Nous sommes au débit, mais nous espérons qu'après quelques années, nous allons évoluer dans cette entreprise. Oui, le message adressé à la jeunesse, c'est juste leur demander d'ouvrir les yeux et avoir l'esprit de créativité et surtout limiter. Parce qu'il y a ceux-là qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens. Il y a ceux-là qui ont des moyens, mais qui n'ont pas des idées. Alors, si nous nous unissons ensemble, ça peut nous aider. Parce que ce n'est pas seulement l'étude qui fait la vie facile. Il y a ceux-là qui ont étudié, mais qui n'ont pas les idées. Il y a ceux-là qui n'ont pas étudié, mais qui ont le courage. Alors, leurs idées peuvent nous aider, ou leurs forces peuvent nous aider. Parce que même ceux-là qui portent des bagages, ils sont déjà contents parce qu'eux aussi, fin du mois, ils trouvent quelque chose quand même. Ils ne travaillent pas par jour, mais fin du mois, ils trouvent quelque chose. Et ça les aide dans la vie. Lieu étudier d'abord notre chefferie parce que dans notre chefferie il y a beaucoup de choses qui nécessitent une grande étude et donc vous ne pouvez pas quitter ici directement, vous décidez d'aller à l'Ouindja et commencer une chose sans pour autant étudier le milieu, étudier même disons la population. Il y a beaucoup d'histoires qu'il faut juste faire avant d'entreprendre dans notre chef-lieu. Nous allons dire vraiment qu'il y a une évolution. Il y a vraiment une évolution parce que nous avions vu des jeunes qui
se sacrifient, des jeunes qui s'y mettent déjà pour travailler. Il y a beaucoup d'organisations qui commencent déjà à comprendre. Voilà. Et donc, je ne dirais pas vraiment qu'il n'y a pas une évolution. Raison pour laquelle notre Mwami est venu juste sensibiliser les jeunes pour emboîter le pas de ceux qui ont commencé. Oui, le message, c'est que la jeunesse doit prendre cette opportunité. Vous savez, ce n'est pas n'importe quelle autorité qui peut appeler ses enfants et commencer déjà à les préparer dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est que l'autorité morale, le Mwami, il a les soucis de voir la jeunesse de Luwinja travailler fort pour faire avancer notre chefferie et toute la République démocratique du Congo en général. Par rapport à l'agriculture, disons qu'il y a déjà une évolution parce que déjà les femmes commencent à récolter les aubergines, le tubercule, nous voyons même le plante maraîchère déjà qui se vit là chez nous. Et puis, chose qui est vraiment louable, c'est que déjà les jeunes commencent à vendre ces légumes à Kaziba, à Bourigny, à Luwinja. Et donc, nous voyons vraiment qu'il y a de l'avancée significative. Les difficultés ont été évoquées. Il y a ceux qui ont parlé de manque de moyens financiers. Mais il y a aussi un problème dans la prise de conscience. Nous devons travailler nos mentalités, cesser de penser archaïquement et juste plaçons les regards là-devant et articuler nos efforts pour développer le Luwinja. Voilà. Moi personnellement, cela ne me concerne pas par rapport aux taxes. En tout cas, je pense que ceux qui sont plus dans les domaines peut-être commercial peut vendre plus. J'ai organisé cette activité, c'était pour rassembler les jeunes de Luwinja. Et pour parler spécifiquement de l'entrepreneuriat, c'est un domaine que les gens tentent à oublier. Et alors que c'est aussi les jeunes qui doivent s'organiser pour la création des emplois et créer une nouvelle classe sociale dignée, donc qui peut être dans notre chefferie de Luwinja. Je n'ai pas à donner spécialement de contribution, mais je peux accompagner. J'ai déjà accompagné beaucoup de jeunes, particulièrement donc certains qui ont des entreprises ici à Bukavu, et certains même à Luwinja, que j'ai personnellement accompagné. Donc, c'est ce que j'exhorte encore ma jeunesse de faire, de s'organiser. Et l'un des objectifs aujourd'hui, c'était que les jeunes puissent s'organiser pour qu'on puisse continuer à promouvoir au moins un entrepreneur par année.